Salut, c'est Brian Conis et bienvenue dans Rayman 2. Du coup, je continue tout de suite à la suite où j'en ai arrêté. Donc du coup, je suis allé récupérer le dernier Lumps que j'avais oublié dans le niveau. Il était juste à côté du tronc d'arbre où j'ai aidé pour que le box passe, quoi, en gros. C'est parti. Je continue tout de suite là, en fait, parce que je vais faire la course avec le pirate, comme d'habitude. Mais là, justement, j'ai peut-être gagné un nouveau bonus. Donc ce qui fait que c'est pour ça que je me suis dit que c'était intéressant de vous le montrer. Allez, c'est parti. En plus, si je gagne ça, je suis invincible, limite, hein. Allez, on y va. Allez. Cours, bébé Globox, cours. Bravo, tu es un merveilleux supporter. Regarde ce que Rayman a gagné pour toi. Grâce à toi. Alors, est-ce que c'est de la vie? Est-ce que c'est 3 points? C'est juste de la vie. Bon, bah tant pis, c'est un fail. Mais c'est pas grave. Peut-être un peu plus loin les 3 points. Voilà, donc du coup, ce niveau, il est fini. On va attaquer la baie des baleines. La baie des baleines qui est un niveau presque que sous l'eau. Hein. Alors, je voulais vous montrer un truc aussi, c'est ça. Voilà, alors du coup, j'ai un petit peu sauté. Un jour, j'ai eu... Voilà, donc tout le coup, on s'en était arrêté ici. Polo Q, décida d'user de son pouvoir pour peupler le monde. Il commença par les êtres magiques et rêva les fées. Elles sont ses émissaires. À partir de 4 lumes, premier, elles façonnent les lumes d'argent qui te donnent tes pouvoirs. Voilà, mais je sais plus lire, moi. Polo Q imagina ensuite les petits êtres. Leur rôle est de dérouler les routes du monde. Ils connaissent les passages secrets et peuvent te mener sur la voie des portes où tous les chemins s'entrecroisent. Voilà. Du coup, ici, il n'y a rien d'intéressant. Ici, il y a beaucoup de piranhas dans ce niveau, il me semble. Ah oui, alors attention. C'est parti! Ah là 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 là. Voilà. Donc on récupère ça. Pour aller là-haut, il faut passer par là, mais je voulais battre le mec d'abord. C'est plus facile de le battre comme ça. Alors, c'est quoi, c'était Lumps Plus, ça? Putain, il y a même des jaunes, je suis obligé de regarder tous. C'est la première fois que je meurs d'eau. Mais bon, d'habitude, je sais où je vais aussi. Hein. Le problème, c'est que là, ils sont tous bleus. Je fais comment, moi? Regarde ça, même les rouges, les jaunes, ils sont tous bleus. Alors, après... Ça, c'est des lumes jaunes. Ah non, c'est des rouges. Oh, rien à foutre. Alors, voyons voir. Ça, c'est peut-être des jaunes. Ouais, c'est des jaunes. Hop là, esquive. Attention de pas tomber. Voilà, allez.
Ah oui, du coup, là, il y a le grand bateau, non? Ouais. Bon, je vais le tuer avec des grosses boules, mais je vois que je veux pas. C'est bon, j'ai rien oublié. Ah, j'allais dire, il y a un bug de texture, non, c'est bien des jaunes, nickel. Oui, ça fait mal. Ah, oula. Pauvre man. Putain, comment ça en fout pas une toute la journée, c'est dingue. Ça me semble bien que j'avais vu un truc. Attention, attention. Oui, donc du coup là. Un sou. Ouh, il était limite mon tir. Allez, mais tu la casses, oui. Bon, bah allez, c'est parti. Ereman, Carmen la baleine est enfermée. Les pirates veulent lui prendre sa graisse pour huiler les moteurs de leur vaisseau prison. Invite la libérer avant qu'il ne soit trop tard. Moi, je m'en fous, je suis pas écolo. Alors, est-ce que les mecs, ils ont fait les sournois et qu'ils ont mis des limps là-bas? Je crois pas. Hein. Allez, on va aller par là. Ah oui, c'est vrai cette zone. La zone où je vais probablement mourir plusieurs fois. Pour respirer, attrape mes bulles d'eau. Oui, Carmen la baleine a une sale gueule, je sais. Alors là, c'est compliqué parce que vous allez voir. Je sais même pas s'il faut pas que j'accélère, je m'en souviens plus. Par contre, c'est foutu déjà ici. Ah, parce qu'en fait il faut passer un petit peu comme ça et sauter là en fait. Il me semble, parce que je crois que c'est le seul moyen. Le problème c'est que t'as vu où ils nous posent les mecs, c'est chiant, ils peuvent pas nous poser juste à côté du truc. Allez, c'est parti.
Me suis gouré de boutons. Putain. Allez, c'est parti, on y retourne. On va y arriver. Ah, ça marche pas comme ça. Je suis obligé de faire comme je vous ai dit. Tu parles d'une merde, tiens. Non, non, Carmen, tu restes ici. Allez, c'est parti. Comment j'ai fait? Une fois, j'y suis arrivé super facilement, mais putain, comment j'ai fait? Je veux bien essayer de passer par là, mais... Allez. Ouais, j'étais presque. Allez, allez, Ellipse, c'est ça qui arrive. Voilà, bah enfin, putain. Allez, redonne-moi toute ma vie. Nickel, en plus, il y a un chemin là. Eh ben, on continue, hein. Oui, alors attendez, 2 minutes, je regarde juste une chose. C'est parti, là le coup il faut suivre Carmen. Ah, je finis au moins ce niveau dans cet épisode. Génial, les bulles aussi sont presque transparentes. Putain, déjà que je les vois. Déjà que d'habitude on les voit pas beaucoup. Des piranhas aérophages arrivent pour prendre mes bulles d'air. Dégage-les! Parce que sinon, on crève.
Oh, moi, il m'en faut juste une fois de temps en temps, hein, mais bon, voilà, je fais un petit coup de poing comme ça. Et ils sont vite. Je pense que j'aurais pas dû prendre l'autre bulle. Hein. Bon, pardon. Comme ça, Carmen ici sera tranquille. En même temps, ouais. Les vestiges des bateaux pirates là. Du coup. Je pensais que ça allait le faire, mais non. Alors, oui, on va. Voilà. Je trouve que j'ai pas beaucoup de luxe. Alors j'espère qu'ils sont tous ici parce que ça fait léger, je trouve. C'est pas beau ça, Rayman qui court alors qu'il devrait glisser. Ça m'arrange, je peux. Là, il faut faire très gaffe. Ouais, je me souvenais pas qu'il y avait autant de lune sur cet endroit-là. Allez, on se réveille. Attention, le Rasengan. Bon, d'accord. Raté. Nickel. Lui, faut qu'il passe premier. Si vous êtes avant lui sur la plaque, il sera pas content. Ouais, allez, rentre. Et voilà, j'ai pris la porte des étoiles. Nickel. Bon, pour l'instant, je suis au top. Pour finir les niveaux, ça va. Bon, c'est pas compliqué, c'est un jeu qui est assez simple quand même. Mais il est quand même plusieurs tonics, trouble. Ah, nouveau passage. Peut-être nouveau pouvoir. Voilà, vas-y, fais un petit demi-tour, je suis pas fatigué. Un petit plongeon. Allez, qu'est-ce que j'ai gagné? La vie, j'en ai rien à foutre. Voilà, j'ai gagné des points de force, ça c'est bien. Allez, je vais vous montrer quand ça sert. Et puis, je sais pas combien de temps j'en suis. Ouais, ça sera bon, je vais finir l'épisode là, il sera peut-être court, je sais pas, parce que c'est le sanctuaire de pierre et de feu, et lui, je pense qu'il va bien me durer un épisode. Et là, on peut le voir, Rayman, il a les points carrément, regardez, jaune. Hein. Voilà. Et là, du coup... Ça va être bien, oui, parce que je crois que c'est le premier niveau d'ailleurs où on... Le sanctuaire de pierre et de feu, c'est le premier niveau où on peut en trouver. Parce qu'en fait, on peut les trouver les points aussi. On n'est pas obligé de les gagner dans un bonus.
Donc voilà, bah, je vais vous laisser ici. Merci de m'avoir suivi. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Et à la prochaine. Bisous.